Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy. Les amis, aujourd'hui on va se pencher sur l'une des très grosses nouveautés du dernier patch. On en a parlé lors de la dernière vidéo. Bien évidemment, je parle du système VIP. Mais avant cela les amis, en parlant de dernière vidéo, pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est super simple, c'est le premier lien en description de cette vidéo. On y parle de tout, on y parle d'Infinite Galaxy et des autres jeux que vous pouvez voir sur la chaîne également. Et en dessous, vous avez les informations pour télécharger le jeu avec un petit code redeem des familles et l'info de ma nébuleuse, la nébuleuse M1024. Au début, j'étais sur la 1014 et on a migré tous ensemble avec mon alliance sur la 1024. À présent les amis, on va regarder donc ce nouveau système VIP avec ce store, toujours le petit icône hein, sous le petit avatar. Je vous l'avais dit, ça va commencer à monter. Je suis à présent niveau 3, je devrais passer bien plus haut, bien plus vite puisque comme vous le voyez, je vais aller voir les events tout de suite. Regardez au niveau des événements, on a l'événement au moment où je recorde Aigle d'Asteria. Donc c'est des événements récurrents, les événements comme dans tous les jeux de stratégie comme celui-là. Des événements qui vous incitent ou qui vous donnent des récompenses supplémentaires lorsque vous faites des achats en corium. Donc là, c'est le premier, c'est pour 2000 de corium qui vous donne des rewards, des récompenses en plus. Elles sont vraiment très intéressantes et je vous invite à ne faire vos achats sauf urgence que lorsque il y a des events comme celui-là. Il arrive, ça dure, vous voyez, pendant 3 jours et ça arrive à peu près hein, tous les 4-5 jours, si je ne dis pas de bêtises, voire toutes les semaines. Et donc, ça va vous donner des récompenses vraiment intéressantes. C'est des récompenses bonus que vous n'avez pas si vous ne faites pas d'achat tout simplement. Enfin, si vous faites des achats plutôt hors de cette période. Donc, autant optimiser et acheter. Vous le voyez, hein, 20 d'XP de formation, 10 x 20, puis 500 points. Puis, pour finir, des puces de modules, 1000 x 4, donc 4000, et ainsi de suite. Plus ça va, plus ça monte. Quand on arrive à 9000 de corium, on a Aldridge Chase Corey, je ne l'ai pas ce monsieur d'ailleurs, ce commandant qui est épique. Hein. Et à 30 000, on a tout de suite un commandant légendaire, Bruno Augustine, sûrement un Italien, des données pour Bruno Augustine. Donc, et après, on peut l'avoir pour 100 000 de corium. Ça commence à faire beaucoup, hein, 100 000 de corium. J'ai déjà été jusqu'à 46 000, je ne crois pas avoir déjà été jusqu'aux 100 000. Mais en tout cas, voilà, préparez vos achats pour le faire à cette période-là. Surtout maintenant que vous avez les coffres VIP. Au niveau des achats, bien évidemment, je vous conseille toujours, je fais un petit aparté, je vous conseille toujours les packs de préférence qui vont vous aider à bien évoluer. Donc si vous êtes en galère de ressources, les packs de ressources, mais si vous atteignez les zones avancées, ça devrait pouvoir le faire si vous voulez aller plus vite, donc les ressources. Mais si vous avez le temps et que vous prenez le temps de récolter, vous pouvez axer sur d'autres choses comme les technos militaires ou un vaisseau amiral hein, comme moi qui est le Hades. C'est toujours très utile et très intéressant. Ou des membres d'équipage, bien évidemment, les augmenter. Parfois, il y a des membres là, il n'y en a pas. On n'a pas de membres d'équipage actuellement, peut-être dans les offres temporaires. On regarde au niveau des offres temporaires, si il y a Yilingding, un commandant qui est très bien. Le skin est vraiment très sympa de Yilingding. Le skin est sympa, il a une petite armure rose. C'est un des nouveaux commandants qui vient d'être ajouté. Est-ce qu'on aura la chance de l'avoir prochainement? D'ailleurs, je dois avoir de quoi faire un petit tirage. On va le faire au cas où elle apparaîtrait maintenant et qu'ils ont augmenté le pourcentage. Je peux faire 3 x 5. On va voir, est-ce que je vais l'avoir tout de suite? Donc non, j'ai pour l'instant, hop, on va tout de suite afficher les 5. J'ai 5 verts qui sont tout nazes. On va recommencer, je peux le faire 2 fois, peut-être avec un petit peu de chance. Non, toujours pas. Moi, j'ai jamais eu de chance, hein. Vous avez vu mes tirages, ils sont tous tout pourris là-dessus, hein, franchement. Et voilà, que des tirages en carton. Dommage, je n'aurais pas Yiling Ding, ils auraient pu mettre moins de I quand même pour ce tirage. On va donc sur le nouveau système de VIP avec le coût de chaque coffre, vous allez voir, et je vais vous donner mon avis sur le maximum de rentabilité. Alors je vais vous afficher à droite le coût officiel qui a été communiqué par Kamel, puisque avant d'avoir ce coût, regardez le prix des coffres, on ne le sait pas à l'avance, hein, on le sait que lorsqu'on est sur le niveau VIP, on sait que le niveau
Par exemple, 3, le coffre niveau 3, ça va être 16,99€. Alors, si vous êtes sur Android, c'est un petit peu moins cher parce que vous avez une conversion 1-1, ce qui n'est pas le cas en 1 $ pour 1 euro, ce qui n'est pas le cas sur les iOS. Et après, on ne connaît pas les prix des autres coffres. C'est pour ça que lorsque j'ai eu ce document, je me suis dit qu'il fallait vous le partager. Donc, regardez ce magnifique document qui est la liste des prix. On le voit, alors c'est en dollars, vous avez le même prix encore une fois en euros si vous êtes sur des Android Phone et c'est un tout petit peu plus cher, bien évidemment, si vous êtes sur des iDevices d'Apple. Donc VIP 0, 1,99€, VIP 1, 4,99€, 2, 9,99€, 3, 14,99€, vous le voyez, hein, moi c'est 16,99€, donc c'est quand même plus cher sur Apple. Donc VIP 5, 59,99€. 6, 80, on va dire 80, 7, 90, 8, 100, et après, c'est que des 100. Donc, on est plafonné à 100 sur un iDevice, ça va être 109,99 si je ne dis pas de bêtises, et jusqu'au 18, c'est ce prix-là. Alors, il y a toujours sur ce genre de système une rentabilité maximum à calculer. Le niveau VIP 1 et le coffre, donc je peux vous le remontrer, le coffre 1 pour 2 euros, donc 2 dollars, il va nous donner 20 têtes de l'aura, il va nous donner 3 fois 80, il va nous donner 1000 points de prestige, enfin le reste on s'en moque, c'est vraiment les sculptures, les têtes de l'aura, les cartes de l'aura, les données même, c'est le bon terme, les données de l'aura qu'on va aller acheter pour 2 dollars fois 20. Est-ce que c'est intéressant? Oui, pour 2 dollars, pour 2 euros, c'est intéressant de prendre ce coffre-là. C'est pour ça que je l'ai pris. Passons au coffre suivant, le coffre de VIP de niveau 2. On regarde, on a pour cette fois pour 5 euros 40 têtes. Alors vous remarquerez, hein, on a doublé le nombre de données, donc on en a 40, on en avait 20 avant. En revanche, on a multiplié par 2,5 le prix, donc la rentabilité n'est plus la même. Est-ce que selon moi, à 5 euros, si vous pouvez vous permettre de les mettre, est-ce que c'est toujours rentable? Oui. Ce qui rendrait vraiment très rentable ces packs-là et une amélioration qui serait vraiment bienvenue serait de rajouter un petit peu de corium. Si ça rajoutait un petit peu de corium, ça serait très très intéressant de les prendre. Là, je trouve que ce pack est aussi intéressant. VIP 3 à présent, vous le voyez, je ne l'ai pas encore acheté, mais je l'ai débloqué que hier le VIP 3. Là, on n'a plus de sculpture de l'aura, malheureusement, sur le VIP 3, et on a ce vaisseau que je vous ai déjà montré, l'Héphaïstos, je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. Alors, on va retourner le voir. C'est un nouveau vaisseau qui, pour moi, est tout nouveau. Il est, puisque je ne l'ai jamais vu. Voilà, celui-là en forme de quoi? On dirait une biscotte un peu cassée sur les côtés. Je ne sais pas, un casque. Il me fait penser à la tête de Goldorak. Un petit peu, vous voyez son casque. Mais c'est peut-être parce que je suis à l'ouest. Donc, regardons ce vaisseau mixte assaut. Un très bon combo. C'est un vaisseau léger. C'est un vaisseau puissant. C'est un vaisseau qui est sympa, si on peut se permettre de l'avoir, ça peut être un plus. Et évidemment, hein, c'est bien utile d'avoir une flotte bien puissante. Donc, on retourne au niveau du store VIP et on retourne sur ce pack. Donc, est-ce que 50 plans plutôt, on va pouvoir le débloquer? Puisque le niveau 1, c'est 50, après ça sera 100, puis après 200, 300, etc. Donc, est-ce que il est intéressant je vous le rappelle, hein, on est passé à 10 euros. Je pense aussi, puis là, les deux plans, les deux croquis, les 2x1 croquis sont intéressants aussi. Le revitaliseur, c'est tendu à dire ça. Revitaliseur de téléportation, c'est bien sympa et bien utile aussi. Donc oui, ce pack-là, pour le moment, moi je le conseille, je vais le prendre si vous pouvez. Ici, je trouve que c'est moins rentable que des têtes de l'aura, que des données de l'aura, mais en tout cas, il est bien sympa aussi. Maintenant, vous le savez, je vous ai montré la dernière fois, on n'aura plus malheureusement de données de l'aura et c'est que des plans 150. Ça nous permet de passer un niveau supplémentaire si on l'acquiert avec le vaisseau et ça nous permet d'avoir 50 d'avance pour le niveau d'après où il va en falloir 200 si je ne dis pas de bêtises. 4 plans, hop là, alors attendez. 4 plans, voilà, j'avais cliqué à côté, un petit misclic, 4 plans, 4 croquis et un petit peu de marchandises, hein, de deutérium et de titanium. Le titane, est-ce que ce pack est intéressant? Là, j'hésite. On est quand même sur du VIP 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc, VIP 0. Alors, attendez, est-ce que je ne me serais pas trompé? Est-ce que j'aurais pas oublié le VIP 0? A few moments later.
Eh bien, si, j'ai oublié le VIP 0. Donc, le VIP 0, c'est celui-là qui est à 2 euros et 2,29. Et moi-même, je l'ai oublié, je ne l'ai pas acheté. Donc, 2 euros pour 10 données de l'aura. Oui, c'est toujours rentable et je vous conseille de les acquérir. Moi, je vais le prendre. Ensuite, on est à 5 euros pour 20 sculptures, 20 têtes de l'aura données. C'est toujours très utile. On continue. Ensuite, là, on va passer à 10 euros, 10 dollars. Pour les 40 têtes, c'est rentable toujours, je vous conseille, les têtes de l'aura, c'est vraiment très utile de la monter. Et en revanche, donc, pour ce premier pack qui a les 50 sculptures, on est bien, donc je m'étais bien rattrapé après sur le bon prix, on est bien à 16,99, 4 dollars sur le VIP 3. Donc oui, je vous conseillerais de le débloquer pour l'avoir. Après, est-ce que moi-même j'hésite, mais je vais le prendre. Est-ce que le suivant est toujours aussi rentable? C'est ça la grosse question. Est-ce que sur le VIP 4, on passe tout de même donc de 15 euros pour 100, pour 50 sculptures à 40 euros pour 150 sculptures? Je ne sais pas. Vous voyez là, on va voir dans le temps. Je vais voir ce que vaut le vaisseau une fois que je vais avoir débloqué ce nouveau vaisseau. Mais je ne sais pas si c'est toujours aussi rentable. Puis après, on passe à 79, 89. Après, on a quand même beaucoup de sculptures. On passe à 350 pour bien évidemment beaucoup plus, hein, 60 euros, on est sur du VIP, si je ne dis pas de bêtises, 5. Donc oui, est-ce que ce coffre-là reste intéressant? On va falloir évaluer le vaisseau, car tout va jouer à la performance du vaisseau, et ça va dépendre aussi de votre façon de jouer. Donc je le testerai par la suite après l'avoir débloqué, et je vous en ferai un retour. Et après, donc là, on va aller voir. C'est à partir du VIP 8 que tous les coffres sont à 100 euros. Donc 6, 7 et 8, voilà. Donc on est à 100 euros le coffre et on a à chaque fois 450 croquis dedans. Et on a à chaque fois les mêmes récompenses, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc oui, 80, 80, 80, 8, 30, 450, 100. Ah non, ça augmente. Ce qui veut dire que... Ah là, c'est intéressant de voir ça. On a le même prix pour tous les packs à partir du VIP 8, ils sont tous à 100 euros et pourtant ça continue de monter. On a le même nombre de plans, mais on a plus de ressources, on a des puces de déploiement, on a des choses de plus en plus intéressantes, on a 10 plans. Donc vraiment, ce qui a fixé le prix pour Camel, c'est le nombre de croquis qu'il donne et le nombre de sculptures de l'aura. Donc il considère que les croquis de vaisseaux légendaires sont plus intéressants, bien évidemment, que des données d'un personnage. C'est logique, les croquis, on peut difficilement les obtenir, alors que les sculptures, c'est une question de chance lorsqu'on fait les ouvertures. Vous le voyez, moi, j'en ai pas, mais peut-être vous en avez. Et j'ai déjà vu des joueurs, sauf erreur, il me semble qu'on peut avoir l'aura. Hein. J'ai vu un screen d'un joueur qui l'avait obtenu en ouvrant, c'était peut-être avant comme ça, et ça a peut-être été patché, mais en ouvrant les crédits qu'on avait sur les coffres, on ne pouvait obtenir l'aura. Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas, je me renseignerai d'ailleurs et je vous ferai un retour par rapport à ça. Donc, au niveau des coffres VIP, je vous conseille, dans un premier temps, avant de pouvoir tester davantage, d'y retourner, tac, 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 tac. Sauf si vous êtes un low spender, hein, ou un middle spender, voilà, on va garder low spender ou middle spender. Si vous êtes un low spender, je vous conseille le VIP 1 avec l'aura, 2 avec l'aura, 3 avec l'aura. Si vous êtes un middle spender, je vous conseille de prendre le VIP 3, pardon, celui-là, j'oublie toujours le VIP 0, hein, ça me chagrine de commencer à 0. Je vous conseille le VIP 3 et le VIP 4 pour pouvoir monter d'un cran le vaisseau. Voilà, après, il faut tester le vaisseau, voir si au-delà du VIP 4, puisqu'on est déjà quand même sur un pack à 40 euros, voir si au-delà du VIP 4, donc le VIP 5, 6, 7, etc., voir si ce nouveau vaisseau, ce nouveau Ephaitos, ça doit se prononcer comme ça, est vraiment suffisamment intéressant pour provoquer un achat et aller plus loin avec lui. Parce qu'après, il va falloir que ça devienne votre vaisseau principal si vous voulez vraiment rentabiliser votre achat. Sachant que si on va au niveau des vaisseaux, tac, faut savoir que le Hercule fait quand même déjà bien le taf. C'est un très bon vaisseau. Alors moi, il est que niveau 19 pour le moment. D'ailleurs, il faut que je continue de le monter. Alors fortifier. J'ai pas de quoi, si j'ai de quoi le monter d'un niveau, j'ai de quoi le passer 20, mais je n'ai pas de quoi passer 22 pour le moment. Donc voilà, il est 20 à présent. Donc c'est un très bon vaisseau, je continue de l'augmenter, vous le voyez, il ne manque plus beaucoup de plans, il m'en manque seulement 80 pour le passer rang 5.
C'est vraiment un très bon investissement si vous pouvez l'avoir. Donc, à tester, à comparer à l'FITOS, voir ce qu'il vaut, s'il est meilleur que celui-là. Voilà les amis, c'est tout pour le store, le nouveau magasin VIP. À mon avis, il va vraiment évoluer. Il y aura des nouveautés encore dessus. Dès qu'il y aura des annonces, bien évidemment, sachant que je les obtiens en avance, je vous les partagerai sans hésiter les amis. Vous pouvez compter sur moi. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude les amis, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy.